CND News, informé dans l'éthique. Oui, je suis le capitaine de frégate Ousmane Djéguenia, l'officier qui a suivi les travaux de construction des trois navires OPV à Concarneau. Il faut savoir que la mission s'est très bien déroulée globalement. La mission principale consistait à travailler avec le chantier pour produire un navire conforme à une spécification technique. Une spécification technique qui a été signée entre l'État du Sénégal et les chantiers privés. Il faut savoir que la spécification technique a d'abord reçu l'approbation d'une société de classification reconnue, qui est BV, avant la phase construction. C'est pourquoi les OPV sont des navires qui sont de la dernière génération, qui respectent toutes les nouvelles normes de construction. Donc, durant notre séjour, nous avons pu découvrir les points critiques qui permettent d'optimiser le coût de possession des navires et surtout de pouvoir réduire les dépenses dans le cadre de la maintenance. Les navires aussi ont été livrés avec des lots de pièces de rechange pour accompagner la disponibilité dans la phase exploitation par la partie sénégalaise. Les équipages ont subi différentes formations, donc ils ont gagné en capacité, ce qui permet d'assurer la mise en œuvre, l'entretien et la maintenance des navires durant leur exploitation ici au Sénégal. Je l'ai désigné Manek Folé à Concarneau de suivre le programme OPV. Donc trois navires. Ce qui est important, nous devons tout que le Sénégal signe avec les lignes de faire ces navires nous conforme. Donc c'est ce qui est le premier volet. Le deuxième volet, ce qui est aussi important, c'est d'emblème identifié, des points critiques, des repères, yo xamni ñu dinañ ci mëna basé pour que ñun bateau yi suñu leen yoré dinañ xam fan lañuy axer suñu effort pour mëna garder sen disponibilité. Deuxième point bi aussi, navire yi ñew nañ ak pièces de rechange yu bari yo xamni yoy daf koy soxla, ça veut dire au fur et à mesure navire bi di fonctionner, pièces de rechange yoy moy tax ñuy mëna di def ay réparations, di mëna def aussi yenn entretien. Aussi maintenant voir les équipages aussi domaine beau gel formation lens, donc formation ils poussent ils ont ak navire vide pour l'avion, donc ils ont mujuna lien quoi dire que ils ont permettre que nous voilà y a une compétence d'un commandant de subir bateau bi pour toujours navire man disponible. Je suis le capitaine de frégate Jules Marindour, commandant la flottille Kayor. Le patrouilleur de haute mer Kayor est un navire de la Marine nationale. Il porte le nom de l'ancien glorieux royaume du Kayor. Sa longueur est de 62,82 mètres, sa largeur 9,5 mètres. À pleine charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 40 personnes en mer. Sa distance franchissable est de 10 000 nautiques, soit 22 000 km. Le patrouilleur de haute mer Kayor est doté d'un système d'armes puissant. Son armement est constitué de canons, d'artillerie légère et d'artillerie lourde, de missiles, de moyens de détection et de moyens de communication qui lui permettent de rester en permanence contact avec l'état-major. Cette capacité de frappe au combat du patrouilleur Kayor, conjuguée à la volonté de l'équipage qui s'inspire de nos vaillants résistants, fait que tout agresseur venant de la mer
est obligé de prendre en compte. C'est un véritable outil dissuasif. Le patrouilleur Kayor viendra donc contribuer activement aux missions qui sont assignées à la Marine nationale. Il effectuera des missions de défense militaire et des missions d'action de l'État en mer, notamment la protection des ressources halieutiques et la sécurisation des installations de pétrole et de gaz. En bref, le patrouilleur Kayor est une véritable sentinelle à la mer qui permettra de garantir et de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie. Dans la dynamique actuelle, ces navires constituent une véritable sentinelle à la mer. C'est une véritable sentinelle à la mer pour garder, garantir la sécurité de la nation dans le domaine maritime. Pourtant que li ma doon wax ci olof galgi gal mod national mom lañuy tuddé ancien royaume Kayor di royaume bi amone makama ci gudday mën nañ ko xayma ci jirom ben ak ñaar fukki meter yaatu wayam matna jirom ñent ak genwalu meter bu yebé be fess bato bi mën na egg ci jirom ñaar fukki témèr tonne bato bi tamit amna autonomie en mer manam mën na tok geej lu mat ñaar fukki fan ak jirom sans mu soxla dem terre fen pour am ravitaillement bato bi tamit mën na daw lu tollok jirom ñaar fukki lu tollok ñaar fukki juni kilomètre sans mu taxaw liko gëna may lolu nak moy gal gi mëna daw sax té du soxla carburant bato bi dafa gannaayo ay gannaay yu xarañ gannaay yoyu nak bolé nañu ay canon bolé ay missile ak moyen de détection ak ay moyen de communication yu ko tax mu mëna jokkol ak commandement bi fep fu mu mëna nek ci geej gi bo xolé mën bobu ci walu combat nga yok ci bëggu équipage bi ci walu ar karangé rew mi ci geej da ngay daldi am bateau bo xamantene bép agresseur daf koy soralé bala lata muy lal momelu Sénégal wala yaakaru Sénégal ci geej bato bi nak dina daldi ñew bay waram ci mission yo xamne yoy lañu deunk marine nationale moy karangé rew mi ci geej gi dina def ay mission pour ar rew mi mais tamit dina def ay mission pour ar li rew mi mom ci geej gi manam dina saytu lepp luy sécurité nap bi dina saytu tamit li jëm ci pétrole bi ak gaz bi kon ci gatal gal gi dina dem geej ndax rew mi comme niko devise marine nationale waxe en mer pour la patrie jere ngeen jeuf TND News informé dans l'éthique.